Je te parle de ta respiration. On va pratiquer ensemble la respiration de la vague. La respiration de la vague, elle peut être utile quand des fois tu peux avoir de la peine, tu peux être fâché, tu peux avoir des petits papillons dans ton ventre parce que tu es peut-être stressé d'une nouvelle situation. Ou ça peut t'aider si tu as de la misère à t'endormir le soir. Alors, c'est une respiration qu'on va faire avec notre ventre. Alors, pour débuter, je t'invite à t'asseoir comme moi, en tailleur, ou à te coucher sur le dos. Et si tu en as envie, tu peux même rester debout. Mais comme c'est une respiration pour t'aider à te calmer, c'est préférable que tu sois dans une position confortable. Donc, la meilleure position que tu pourrais faire, c'est de te coucher sur le dos. Alors, tu peux t'étendre bien confortablement sur le plancher ou sur un petit tapis de yoga ou peut-être même dans ton lit. Puis, tu vas faire une forme d'étoile. Donc, tu vas étirer tes jambes de chaque côté de toi. Puis, tu vas mettre tes bras aussi bien allongés de chaque côté. Donc, avec ton corps, tu vas former une étoile. Je vais maintenant te montrer comment on va faire la respiration de la vague. Alors, concentre-toi sur ta respiration. Laisse devenir ton souffle fluide. Donc, essaie de t'imaginer de l'eau. Tu peux penser à la mer, tu peux penser à l'océan. Essaie de voir si quand tu as les yeux fermés, tu es capable d'entendre le bruit de la mer. Les mouvements de va-et-vient des vagues. Puis c'est avec ces mouvements-là qu'on va travailler ta respiration. Inspire profondément par le nez. Et laisse l'air circuler dans ton ventre. Expire doucement par le nez et fais comme si la vague partait de la rive. Donc, on inspire profondément et on expire par le nez. Si inspirer et expirer par le nez est plus difficile pour toi, tu peux te pratiquer à inspirer, à faire rentrer l'air dans ton ventre par le nez, mais à expirer par la bouche. Les deux manières sont aussi bénéfiques. Donc, on inspire comme la vague qui arrive proche du sable. Et on expire comme la vague qui repart. Et tu le fais tout doucement. Quand tu inspires, tu vas voir que ton ventre va se gonfler comme un ballon. Tu peux même mettre tes mains sur ton ventre pour essayer de sentir que ton ventre se gonfle. Et tu expires et tu sens que l'air sort de ton ventre et que ton ballon se dégonfle. Donc, on inspire comme la vague qui circule à l'intérieur de nous et on expire, on vide l'air de nos poumons, on vide l'air de notre beden, de notre ventre, comme la vague qui quitte. Donc, on inspire. Et on expire. Donc, je t'invite à le faire quelques fois à ton rythme. Excellent! Alors voilà, tu connais maintenant une nouvelle respiration et tu peux l'utiliser quand tu en as envie.